Kepler, Mafia, il arrive, très violent, Victor fait Mafia, toujours, double, rap punchline, mon pote. Leto. C'est Joker, ça. Mais j'ai dit, hein. Tu sais que Larry, là. Oui. Eh, laisse ça, mon frère. Eh, laisse. Avec toi. Salut à tous, c'est Marwan, nouveau journaliste pour Punchline, RP, pour les intimes, comme vous voulez. Aujourd'hui, on n'est certainement pas à Porte Dorée, certainement pas au Parc des Cerisiers. On est bien à l'Olympia, regardez, c'est juste ici, juste devant moi. On est là aujourd'hui pour le concert de Leto. On va également voir d'autres artistes, il y aura Kepler, qu'on va suivre pendant un petit moment, et plein d'autres. Venez voir, suivez-nous, c'est parti. Je vois, il arrive, il me dit direct, j'ai des exclus. Et là, j'ai fait, ah. Toujours des exclus, on est obligé, sinon on est malheureux. Ouais, il y a un son avec Kepler, il y a un son. Ça va être lequel avec Kepler? C'est Peufrin. Et Leto, Double Hoop. Peufrin, en plus, c'est un son qui passe bien à chaque fois. Ouais, ça va, on le fait partout dans la France, c'est carré. Il retourne les gens un peu? Sur le refrain, ouais, le couplet à Kepler aussi. Après, moi, tu connais mon couplet, il est trop rappé, hein. Mais tu c'est pas vrai, ça. On arrive à... Ça, c'est pas vrai, ça. Là, il est humble, mais c'est pas vrai. C'est pareil partout. Pas à nous. C'est de galère. Elle est née comment, la connexion avec Kepler, justement? Comme ça, du tout. Il m'a contacté pour un son parce qu'il avait kiffé au Dog. Je vois, c'est quel son au Dog? Il avait kiffé au Dog. Il m'a contacté sur Insta. On a bien parlé. Tu connais, moi je connaissais déjà. C'est-à-dire, j'ai dit oui direct. Et après, la connexion, elle a bien marché. Ouais, c'est tu peux rentrer, il me crie. On a l'habitude. Ah, c'est dans le... On a l'habitude. Peut-être. Entre les festivals et tout. À partir de maintenant, je vous entends plus, la famille. Je vous entends plus personne. Voilà, merci. Au début de la scène, j'ai vu ça tremper, j'arrivais pas à trop bouger, je crois. Moi je vais le voir, je commence à marcher comme ça. On revoit, ça paraît, hein. Mais tu vois, comme promotion, j'ai mis trop d'énergie, je suis trop con. Bah non, c'est bien, c'est l'entrée avec moi, tu vois. Tu vois, au milieu du son là, je commençais déjà à être mort, wesh. Ah, c'est pour ça. Wesh. Lou. 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 Bon, Kepler, on vient de sortir. Première partie de Leto. Ouais. C'était incroyable. Ouais, c'était excellent. T'en as pensé quoi? Ah, j'ai kiffé, hein. À vue de ma mère, j'ai kiffé. Les gens, ils étaient réceptifs, tout ça. Voilà, c'est un truc de ouf. C'est ça, ça t'a donné envie de refaire, d'en faire plein. Bien sûr, wesh. Obligé. Obligé. En plus, là, si tu dis pas de bêtises, c'était la plus grosse scène, l'Olympia. Ouais. Il y avait plus de 2000 personnes. Ouais. C'était un truc de fou. Moi, personnellement, j'étais à côté du pogo. Le sol tremblait.
Je te dis la vérité, le sol tremblait. Est-ce que tu te rends compte? Putain. Est-ce que ta musique provoque? C'est une dinguerie quand même, hein. Parce que je l'écris dans ma chambre, ça. Ça dure, imagine-toi. Voilà, c'est quand tu l'as écrit, tu t'es dit un jour sur l'Olympia, ça va faire cet effet-là ou... Non, je savais pas. Bah non, je peux pas savoir. Je suis pas devant quand même. Quand même. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Quand tu regardes un peu en arrière, quand tu étais avec Leto à ses tout débuts, toi aussi, quand tu suivais un peu, que tu étais à Z17 avec Ismo, tu te revois aujourd'hui, tu réalises un peu l'accomplissement aujourd'hui? Ouais, c'est fort quand même, hein. C'était un bon bout de chemin quand même. Hein. Les premiers sons que j'ai fait avec Ismo, c'était en, quoi, c'était en 2016, c'est ça? Ouais. C'était en 2022 quand même. Ça fait quand même 6 ans là déjà. Et, non, c'est un bon bout de chemin. Mais il y a un autre son. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a une exclue dans pas longtemps qui devrait arriver là. Ouais, dans ses bras. Dans ses bras, il s'appelle? Ouais. Explique-nous un peu le son, vous l'avez fait comment, dans quel mood, c'est quel type de son, dis-nous tout. Dis-toi, c'est un son un peu chill, tu vois, un peu mélodieux, tout ça. Dis-toi, je l'ai fait comment? On était dans un domaine. Ok, t'as domaine, capté maintenant. On était dans un domaine. Et maintenant, j'ai appelé La Crème. La Crème, je lui ai dit, vas-y, viens là. Je suis... Yanis. Ouais, Yanis. La j'ai Crème, j'ai dit, viens là. J'ai obligé, t'es obligé de venir là, vas-y. Il me dit, mais on a une heure de ça, une heure de chez moi, t'es un ouf, tu sais, les 4h du matin, tu m'appelles, tout ça. Je lui dis, viens, viens, viens. Il est venu quand même, tout ça. Voilà, grosse force, hein, ça. Il est venu, tout ça, dis-toi, on était là, posé tranquillement, je connais. Petite soirée chill. Et on a fait le clip, dans la détente, disons. La drogue, le sexe, quand je suis dans ses bras. J'ai sorti la peu froid, t'as pas vu. On fume, on chill, elle est sous mes draps. Il y a un album en préparation, une mixtape, un projet? Une mixtape. Ok. Là, je suis sur ma mixtape. Là, je commence à finir mes feats. Dès que j'aurai fini mes feats, j'annoncerai peut-être une date. Est-ce que tu as déjà un feat qui est conclu ou... Ouais, j'en ai plein. Déjà conclu, le son il est déjà fait? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir certains noms? Non. Au moins un. Hein? Un seul. Un seul pour Apple Schlag. Leto. Non, c'est Joker ça. Mais j'ai dit un. Non, pas Leto. Il dit pas chevet. Et dis-toi, c'est ce que j'allais dire. Larry. Ok. Larry. On gadaille Larry. Okay. Vas-y, Larry. J'en prends 10, j'en prends 20, j'investis. J'en prends 30 ou 40, j'investis. De Leto, qu'est-ce que tu prépares sur scène? Vous allez faire quoi comme son? Voilà. Toi, t'as plein de feats avec Leto en plus. J'en ai trois exactement, ouais, j'en ai trois. Après, j'en ai deux avec le groupe, mais j'en ai trois en solo. On va faire Mappé ça. C'est le plus récent, c'est celui qui a le plus tourné, on va dire. Ouais, c'est-à-dire faire celui avec lui. T'as aussi partagé ça avec lui. Trop de fierté qu'on deuxième baisser. On fait du papier des Mappé ça. J'ai mal au cœur, mais je m'en sais même pas. C'est ça qu'ils attendent les gens. J'ai entendu ouais, des gens crier ton nom. Ah ouais? Je te jure, on est passé. Tu sais, quand il a dit ouais, il faut une surprise. J'en ai dit Tiako. Les gens, ils t'attendent là. Ouais. Et elle date de quand la relation avec Leto? Date parce que le premier que tu fais, c'est pas Wood sur le premier album avec ouais, le groupe. Ouais. Donc ça date un petit peu. Ouais, après, il y avait des connaissances déjà parce que je connaissais déjà Kipler. Okay. Ça veut dire on se connaissait bien avant qu'on fasse Wood. Et quand on a fait Oud, après l'alchimie, elle est passée direct. Après, t'as Slim et tout le monde est. En gros, on a tous eu des liens après. Et comment t'expliques-toi le fait que chaque fois, la connexion entre toi et Leto, elle soit réussie? Il n'y a pas de skip. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de skip. Parce que quand c'est avec Leto, il n'y a pas de prise de tête. C'est toujours, on cherche de la nouveauté, on essaye de trouver de la nouveauté, tu vois. Et après, c'est l'alchimie, c'est la cohésion qu'on a, comment on est même dans la vie de normal. C'est-à-dire, c'est normal, on a fait ça en rapide. Tout le temps fait ça en mode bien. Et là, tu comptes faire quoi là, avec Leto sur scène là? On va faire Favelas de Paran, KE4, qui était une série de freestyle que j'avais faite avant. Ouais. J'ai fait un feat avec Leto dessus, tu vois. Le son il a bien pris, il bounce, donc on va le faire sur scène, tu vois. Qui est le seul feat en plus de la série? Ouais, le seul feat de la série. Mighty, ma, Mighty, j'ai
est tellement cassé la lucarne du Adriano dans Pro Evolution Soccer 6. La série est pas totalement terminée, mon ref. Pas terminée encore? Non. Il y a le 5 peut-être? Peut-être. D'ici pas longtemps? Ouais. Est-ce que ce sera encore un autre feat ou... On sait pas, on peut pas s'arrêter à 4. Ouais. Tu vois, tu as 18. En vrai, ça commence ici, mais ça va jusqu'à là-bas. Là-bas, c'est très loin, mon gars. Ce serait bien la Cahier 18. Ouais. La Cahier 18, ils vont kiffer. Ouais, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup, mais beaucoup. C'est symbolique. Je pense que j'aurais déjà des rides, etc. Donc non, je compte pas faire encore un la Cahier, mon ref. Dans la Cahier. 17-18. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que moi, mon concert, c'était le 17. Et Eto, il vient du 17e. Et on est le 18, il vient du 18. Et c'est le 18 son concert. Putain, c'est beau. C'est croisé. Ah, c'est mon frère. Tu connais bien que c'est le destin. Donc là, c'est pas les ligaments, c'est juste croisé. Et toi, devant le collège, devant le lycée, c'était un voyou. On était à l'école, lui, c'était un voyou. Il venait devant le lycée, ça tout. Il savait qu'il rappait, lui aussi, il savait que je rappais un petit peu. Je débutais, lui, il était déjà un peu dans le bas. Après, non, tranquille, on s'est bien entendu par la suite. On a commencé à collaborer après, c'était comme ça, tu vois. Je sais que je veux gâcher ma putain de vie. C'est certain, je veux gâcher ma putain de vie. Donc c'était vraiment celle-là ma première scène. Je n'avais jamais fait avant et je suis satisfaite en fait. Plus que ça, en fait je peux pas décrire le sentiment que j'ai ressenti, mais vraiment le fait d'être en plus avec Leto, en fait j'ai vraiment trouvé ma place sur scène. Bah, Kepler c'est un artiste que je connais bien et que j'écoute beaucoup. Après on a des délires totalement différents niveau musical, ouais. Mais moi je suis pas du tout fermée à la collaboration parce que les gens s'entendent hyper bien et puis voilà, après voilà. Ouais, dis-moi tout mon frère, c'est comment, bien ou quoi? Kepler de Winterfell Mafia. Bah. Mais y'a pas que toi, entre guillemets, t'as aussi Kepler, ouais. Le frérot qui a fait la première partie. Exact. Tu l'as senti comment toi? Tu l'as regardé un petit peu? Kepler, bien sûr, tu vois pas, y'a la télé, tu voyais tout là. Filme la télé, tu vois, je voyais tout. Voilà, directement. T'as capté? Sale, moi-même j'étais choqué. De fou, il a fait trembler. T'as capté directement, direct. J'entendais des Kepler, Kepler, des femmes. Bien sûr. T'es quand il a fait le relevé là avec les locks. Eh, dinguerie frère. Dinguerie. Si tu le veux, bientôt c'est lui qui est là. T'as capté à la fille, papa. Pa, pa. T'as capté en vrai tout ça là. Toute la structure qu'on fait, c'est juste pour le préparer à tout ça. Justement, t'as capté. Mais justement, toi qui le connais depuis des années, tu l'as vu sur Z17, il a été backer avec toi. Comment tu vois son ascension là, justement de... Son évolution humaine et musicale, elle est très bien. Très bien, t'as capté. Elle est parfaite carrément. T'as capté, il évolue comme. C'est un génie un peu, t'as capté. Il est un peu. Je sais pas comment t'expliquer, il est un peu. Il aime le dehors, mais il aime aussi la musique. Ça fait qu'il y a un entre-deux. Mais l'entre-deux, il sait le gérer. Il sait où il va. Il sait où il va, il sait le gérer. Exactement. Toi, tu vois quoi pour lui dans le futur? Toi qui est un peu son DA, enfin qui le connaît très bien, tu vois. Tu vois quoi pour lui dans le futur? Lui dans le futur, que le studio, mon gars. T'as vu, je vais pas tout dire, truc, que le studio. Là, pour le moment, Kepler, c'est studio. Il va balancer des sons là en 2022, puis ça va envoyer. Tu sais qu'il a révélé que vous avez un feat là pour son prochain projet là. Pour ce prochain projet? Il a dit toi et Larry. Là, il nous a révélé pour un prochain. Ah, c'est toi déjà. Le Larry va arriver violent. Ah, ouais. Dit, tu sais que le Larry là. Ouais. Eh, laisse ça mon frère. Laisse. Et avec toi, et avec toi, c'est comment? C'est quel genre? Parce que tu as fait plein de sons. Franchement, on a tellement de sons que je sais pas de quel. Tu vois, c'est quoi? Kepler, Mafia, il arrive très violent. Winterfell Mafia, toujours. Double rap punchline mon pote.